Bonjour, donc je vous propose aujourd'hui de vous faire un tirage de cartes avec le tarot de l'amour pour voir la tendance et la journée d'aujourd'hui, pour voir ce qui va se passer pour vous, pour voir tout ce qui peut arriver, de bien ou de mal, mais surtout en carte de conseil et de guidance pour cette journée d'aujourd'hui. Donc pour ça, je vais utiliser le tarot de l'amour et en dernière carte en fin de vidéo je tirerai une carte de l'oracle de la nature sauvage pour la carte conseil finale, on va dire, pour que vous puissiez avoir un conseil en fin de tirage qui finalisera un petit peu le tarot de l'amour. Allez, c'est parti, je mélange, je prends la carte du dessus et on commence. Donc, pour la première carte, nous avons l'abandon, l'union, le gardien, recevoir, persévérance et raffinement. Donc, pour les cartes que j'ai sous les yeux, je vais vous interpréter donc ces cartes. Bien sûr, c'est un tirage général. Qui dit carte générale, tirage général, dit que ça ne va pas parler à tout le monde, seulement à des personnes qui vont se reconnaître, on va dire. Elles peuvent être nombreuses comme moins nombreuses, mais en tout cas, c'est un tirage général. Donc pour la première carte, vous avez la carte de l'abandon. Apparemment vous avez abandonné des projets, j'ai l'impression, si je regarde toutes les cartes, vous avez abandonné des projets par rapport à votre union. Donc si on regarde cette carte, vous étiez motivé mais pas assez, donc vous avez un petit peu baissé les bras face à l'adversité, peut-être face à des projets trop complexes pour vous, trop difficiles à gérer. Et donc, par rapport à votre union, ça risquerait de poser peut-être des problèmes, puisque votre compagnon ou compagne ne comprendra pas toujours pourquoi vous abandonnez les projets, vous n'allez pas les finaliser. Donc, vous pourriez avoir un soutien de sa part, hein, parce que j'ai quand même la carte du gardien à côté. Donc, j'ai l'impression que la personne qui est proche de vous, dans le couple, hein, on va dire, dans les couples, c'est vous consoler, c'est vous rebooster pour repartir vers des projets que vous avez abandonnés en cours de route. Donc, vous ne savez toujours, enfin, vous avez du mal à recevoir par contre, parfois, vous avez du mal à recevoir. Et les messages que l'on vous dit pour ne pas abandonner, et les messages, on va dire, intellectuels ou spirituels que vous auriez de temps en temps dans votre conscience, vous ne savez pas les recevoir, vous avez du mal à les recevoir, donc on vous demande de les recevoir avec sagesse, de vous écouter, de les écouter, d'écouter votre compagnon qui est quand même un gardien par rapport à ses abandons de projet, il est là pour... c'est un gardien... paisible, un gardien protecteur. Il ne vous veut que du bien. Il faut recevoir ces messages pour entendre par rapport à vos projets que vous pourriez aller jusqu'au bout. Ensuite, nous avons la persévérance qui nous parle. Bien, vous voyez, je viens de me rendre compte qu'en fait, ça va très bien avec l'abandon.
des projets et l'union dans le couple qui vous dit de persévérer aussi, parce que vous avez sûrement votre compagnon ou votre compagne qui vous dit de persévérer, mais vous ne l'entendez pas, vous ne recevez pas le message, et la persévérance, la carte vous dit de malgré tous les efforts que vous faites, même si vous abandonnez, malgré tous les efforts que vous faites de concentration pour quand même vous sortir du chaos par quoi parfois vous vous mettez parce que vous avez abandonné, eh bien on vous dit de continuer, de persévérer, même si ça vous met en colère parfois, parce que ça peut vous mettre en colère d'être un petit peu lâche par rapport à vos projets. Donc vous avez la carte de raffinement qui nous dit de calmer un petit peu les émotions à l'intérieur. On voit une magnifique lune. Nos émotions parfois peuvent nous jouer des tours. Je ne dis pas qu'on peut toujours les contrôler, mais par rapport à l'abandon que nous avons vu pour la première carte, et la persévérance qui nous dit de sortir du chaos de l'intérieur de nous qui nous emprisonne parfois à ne pas bouger, à se démotiver, et bien de continuer quand même, parce que vous pouvez alléger ces émotions en recevant les conseils et de vous-même, de votre intérieur, de votre conscience et des autres autour de vous, de votre couple. Dans votre couple, le compagnon ou la compagne qui vous parle peut parfois vous dire des choses qui peuvent être très intéressantes pour vous affirmer. Donc, et avec raffinement, bien sûr, en prenant soin de vous, parce que parfois on s'oublie un petit peu, et il faut recevoir aussi ça, ce cadeau de se faire parfois du bien, pour continuer le chemin et ne pas abandonner, être persévérant, pardon, c'est ne pas abandonner ces projets qui nous amènent parfois dans une harmonie impeccable, on va dire. Donc je vais regarder pour l'oracle de la nature sauvage, oui, de la nature sauvage, ce que veut nous dire le message de l'oracle de la nature sauvage. La première carte qui nous dit joue avec moi. Vous voyez, hein, ça correspond quand même à ce tirage, hein. Joue avec moi. Je vous laisse contempler la carte. Superbe carte de l'oracle de la nature sauvage. Qui n'est pas très vieux comme oracle, hein. Ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. Donc vous voyez quand même que jouer, oui, être un peu plus innocent peut nous amener vers les projets qu'on abandonne, peut nous amener à être persévéré, même si parfois on n'arrive pas toujours à être dans le lâcher prise de nos émotions, on n'arrive pas à aller vers la persévérance, continuer dans la ténacité des projets qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de nos projets. On est tenace, mais malgré ça, ça ne va pas jusqu'au bout. Eh bien, on vous dit, dans cette carte de conseil, de continuer pour ne pas abandonner les projets, de continuer à jouer. Jouer avec moi, jouer avec soi-même, jouer avec les autres pour vous libérer. Être beaucoup plus serein pour lâcher les choses que vous devez lâcher et d'autres que vous ne devez surtout pas lâcher, c'est-à-dire les projets. Donc abandonnez-vous au jeu, mais surtout pas de vos projets précieux que vous devez mener à terme. Voilà. Donc je vous laisse méditer sur cet oracle de la nature et avec le tarot de l'amour. Je vous laisse méditer sur ces cartes. Je vous dis. Ah, très bien.
très bientôt pour un nouveau tirage de cartes. Bonne journée ou bonne soirée.